Le premier film que j'avais vu, c'était L'Enfant. Donc c'était parce que j'avais passé le casting donc pour Le Gamin en vélo. Et c'était le premier film. Bah, comme c'était un film et que j'étais rappelé, mes parents m'ont dit, bah tiens, on va en regarder un. C'était L'Enfant, bon voilà, c'est quand même un des films les plus représentatifs. Et donc voilà, c'est le premier que j'ai vu qui m'a capté, bon, de mon jeune âge. Hein, j'étais encore assez jeune, donc j'étais pas dans une analyse critique poussée, mais c'était celui-là. C'est quand même un cinéma particulier quand on a 12 ans. Donc on est un petit peu perturbé, surtout que j'étais pas éduqué à ce genre de cinéma. Donc j'étais ressorti un peu, je me souviens, un peu perturbé. Bon, c'était pas en salle de cinéma, c'était chez moi. Leur façon de travailler, bon, c'était quelque chose d'assez. Ils étaient un peu en symbiose, comme on dit. C'est-à-dire que c'est des informations qui venaient de l'un de l'autre et qui se réunissaient, dans, je vais dire, 99% des cas, et qui se réunissaient pour faire un tout, quelque chose qui était vraiment sensé par rapport au truc, qui se mêlait. Surtout à ce moment-là, comme je ne connaissais rien au cinéma, à mon caractère d'y aller d'un coup, d'être sur l'intuition. Et c'est comme ça que ça s'est fonctionné, que ça a fonctionné. C'est une relation vraiment très symbiotique qu'ils ont entre eux, une relation qui fait la qualité de leur cinéma. C'est-à-dire que c'est ça qui les caractérise, peut-être qu'ils donnent. C'est pas un seul avis, c'est plusieurs avis, c'est deux avis sur deux personnes qui ont travaillé sur un film pendant 1 an, 2 ans. C'est ça qui se traduit selon moi dans ce cinéma. Ouh là là. Bah, c'est un peu grâce à eux que je suis devant vous là maintenant, donc c'est forcément, je les remercierai, mais ça ils le savent déjà, donc juste qu'ils continuent sur cette voie, même si j'ai rien à leur apprendre, mais je pense qu'ils ont quelque chose de vraiment intéressant dans leur cinéma, dans leur manière de travailler.